Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un mélange de deux ou plusieurs sons en même temps. C'est pas trop compliqué. Vous allez voir ça. Vous allez apprendre à faire un mélange de deux ou plusieurs sons en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez faire un mélange de deux sons en même temps. Voilà, on va commencer avec la vidéo. Et voilà, et voici FL Studio 20. Et voilà, et pour faire un mélange de sons, vous allez cliquer sur le plus et on va d'abord ajouter et les sons que. Je vais ajouter un autre son. Voilà. Ah, maintenant, j'ai deux sons. Et maintenant, je vais faire un mélange de ces deux sons-là. Voilà. On va cliquer sur plus. Voilà. Et puis, vous voyez ici, il y a pas mal de trucs. Vous devez choisir layer. Layer, ça apparaît ici comme ça. Et voilà, et vous voyez layer. Vous allez cliquer sur layer. Voilà, et ça va apparaître comme ça. Voilà. Et d'abord, on va sélectionner les deux sons. On va faire clic droit sur votre souris. Voilà. Et puis, on va faire Set Children. Voilà. On va écouter. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous voyez, on écoute tous les deux sons en même temps. Améliorer vos sons et en jouant plusieurs sons en même temps. Voilà, on va faire un autre. Voilà. D'abord, on va choisir on va mélanger, on va prendre un son de keyboard, Fellcake, voilà. On va mélanger ça avec un son de guitare. Jazz. Ok, j'ai deux sons ici. Eh bien, je vais faire un mélange de ces deux sons. Voilà, je vais cliquer sur le plus et puis on va ajouter layer. Comme je vous l'ai déjà dit, ça va apparaître comme celui-là. C'est pas trop compliqué pour faire ça. Et vous pouvez augmenter vous pouvez faire le mélange de deux ou plusieurs, c'est-à-dire 4 ou 3 et ou 5, même 10, etc. Vous pouvez faire un mélange de 10 sons en même temps. Je vais vous montrer comment peut-on le faire. Voilà, on va choisir d'abord les sons que vous voulez mélanger. J'ai fait choix de celle-là.
Voilà, et j'ai choisi un son de flex. Voilà, et je vais prendre et capacitation. Donc moi j'adore et celui-là. Voilà, et ça fait deux. Voilà, et on va ajouter donc un troisième son. Ok, et c'est mon troisième son. Donc je fais quelques arrangements. Voilà, on l'écoute. Ok, maintenant on a trois sons. Voilà, donc je vais mélanger donc ces trois sons. Donc d'abord, n'oubliez pas donc ce que je vous ai déjà dit. Donc on va cliquer donc sur plus, voilà, on va choisir layer. Voilà, puisqu'il s'est fait, et on va cliquer sur layer, et puis on va faire donc les sélections. On va sélectionner tous les sons, voilà, en faisant clic droit sur votre souris. Voilà, et je fais donc les sélections. Voilà, et puis après on va cliquer sur set. Voilà. On va ajouter donc un quatrième son. Voilà, et on va prendre celui-là. Voilà, on va choisir donc un son de basse. Voilà, on va prendre un son de basse. Voilà, donc ça c'est un quatrième son donc que j'ajoute. Voilà, et on va cliquer sur l'ailleurs. On va faire donc les sélections. Voilà. Puis on va cliquer sur la haie et puis on va faire set children. Voilà. Et puis on va cliquer sur la haie et puis vous voyez donc tous les quatre sons donc se jouent en même temps. Donc comme vous pouvez le constater. Écouter les sons séparément, voilà, et puis on peut les écouter donc en même temps, voilà, en même temps, donc voilà ce que ça donne. Donc on va ajouter un cinquième son, on va ajouter un cinquième son, donc voilà. On va les sélectionner, et puis on va cliquer sur l'ailleurs, et puis on va faire Set Children. Voilà. Comme vous pouvez le constater, donc là, c'est l'ensemble de ces cinq sons qui se jouent en même temps. Faire le mélange donc des sons, donc c'est vraiment facile, okay, grâce avec l'ailleurs. Donc et c'est grâce avec l'ailleurs donc qui va vous permettre de faire donc et un mélange des sons. De me donner un go like et de commenter la vidéo. Merci à vous. On se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo.